Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo que je vous ai promise il y a pas mal de temps maintenant, mais que j'ai mis du temps à préparer et que j'ai mis du temps à poster, et ça pour deux raisons. La première étant que c'est une vidéo qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup de recherches, et la deuxième étant qu'en faisant mes recherches, je suis tombée sur une vidéo qui reprend les mêmes codes que celle-ci que je vous fais depuis quelques années maintenant, jusqu'à avoir exactement le même titre mot pour mot et la petite barre au même endroit, etc. Je vous avoue que sur le moment ça m'a un peu dégoûtée et je savais pas si j'allais vous poster cette vidéo là ou pas, et en fait en réfléchissant je me suis dit que c'était trop de travail, trop d'investissement pendant des semaines pour la laisser de côté. C'est une vidéo que vous aussi vous adorez parce qu'elle vous donne vraiment une vue globale sur les tendances de l'année et ça vous donne des idées déco, donc je laisse ça de côté. Et si jamais vous voulez du coup m'encourager pour toutes ces recherches, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et puis bah, on commence tout de suite pour les tendances déco de l'année 2024. Avant de commencer, vous allez voir que cette année on est dans tout et son contraire, c'est-à-dire que on va avoir un style qui est complètement à l'opposé de l'autre et qui vont être tendance tous les deux. On va avoir des couleurs qui vont s'opposer, des matières qui vont venir contraster les unes avec les autres. Vraiment, 2024, c'est l'année du contraste, donc il y en a pour absolument tous les goûts, et on commence tout de suite avec les ambiances et les styles. Le premier style dont je voulais vous parler et qui ressort vraiment, c'est le style des années 70. Rappelez-vous, je vous en avais déjà parlé en 2023, et bien en 2024, il poursuit sa lancée et il sera toujours tendance, mais dans une version un petit peu plus sophistiquée, dans un esprit un peu plus mid-century, avec des matières un peu plus nobles, des lignes un peu moins arrondies. On va retrouver aussi des finitions chromé et on va retrouver les mêmes codes couleurs typiques des années 70, à savoir du marron, du orange, du jaune assez chaud tirant un peu sur le moutarde ou encore de l'ocre. Le deuxième style qu'on va retrouver et dont je vous avais déjà parlé aussi en 2023, c'est le maximalisme. Il prend encore de l'ampleur. C'est un style où on en fait des tonnes dans son intérieur. Vraiment, on expose tout, que ce soit sur les meubles ou que ce soit au niveau des murs. On opte pour du mobilier ou des luminaires XXL. On se laisse aller aussi au niveau de la couleur pour créer une ambiance joyeuse et bariolée. Comme je vous le disais précédemment, les opposés s'attirent. Et donc, qu'est-ce qui est opposé au maximalisme ? C'est le minimalisme, et en 2024 on l'appellera plutôt le néo-minimalisme. On va avoir toujours des intérieurs épurés, mais on va beaucoup miser sur les textures, les matières un peu plus nobles et aussi les nuances de couleurs pour apporter un côté plus chaleureux, plus cosy qu'un intérieur minimaliste classique. Un style qui émerge cette année, c'est les années 80, dans un esprit rappelant un petit peu le style Memphis, où les intérieurs étaient colorés, audacieux et un petit peu kitsch. On retrouvera des teintes primaires en majorité, des designs asymétriques, et on mariera des matières nobles à des objets un petit peu plus fun. Ensuite, il y a le style arty. Pour adopter ce style, il va falloir penser chaque objet que vous allez exposer chez vous pour créer une ambiance galerie d'art. On mélange plusieurs époques, les meubles sont modernes et vintage à la fois, les espaces sont plutôt ouverts et spacieux, les couleurs sont en contraste les unes avec les autres mais sans faute de goût, et chaque objet a sa place et est mis en valeur. Voilà pour les ambiances les plus présentes en 2024. J'ai pu noter aussi qu'il y avait une apparition timide du style western gothique. On est plutôt dans des ambiances dark, plus feutrées. Je dirais que c'est un mélange un petit peu entre le style ranch américain et dark academia, à voir dans le futur si jamais c'est une tendance qui explose ou pas. Quant au quiet luxury, si jamais vous avez adopté les moulures ou une ambiance un peu plus chic, vous pouvez la garder puisqu'il sera encore tendance en 2024.
On passe maintenant aux couleurs et là encore une fois, elles se divisent en deux grandes catégories et s'opposent complètement. D'un côté, on aura beaucoup de couleurs vives, vitaminées et d'un autre côté, on aura des couleurs naturelles, des couleurs plus douces. Donc en ce qui concerne les couleurs vitaminées, on va retrouver du rouge, du rose, du orange, du jaune, du vert pomme. On voit beaucoup cette tendance un petit peu dopamine qui arrive sur les réseaux sociaux. Et donc si vous suivez les réseaux sociaux et les tendances, vous n'êtes pas passé non plus à côté de la prochaine couleur que je vais vous annoncer, qui est le Peach Fuzz, qui est la couleur de l'année 2024 chez Pantone. C'est un pêche vraiment très doux, mais qui est à la fois lumineux, chaleureux, je dirais, et qui met de bonne humeur. Je trouve que c'est une couleur très joyeuse. Elle se marie d'autant plus très très bien avec d'autres couleurs qui sont tendances en 2024. Le bleu est aussi présent en 2024 et là aussi se divise en deux catégories. La première, c'est des bleus clairs, des bleus glaciers avec une petite pointe de gris comme la couleur Upward par exemple chez Sherwin-Williams que vous pouvez voir ici. C'est une couleur très lumineuse aussi et très printanière je trouve. Et d'un autre côté on aura des bleus plus profonds, plus foncés avec des sous-tons un petit peu violets comme le Blue Nova chez Benjamin Moore. Le vert nous rappelant la nature est toujours d'actualité lui aussi et on va surtout retrouver du vert kaki ou du vert olive, des verts plutôt sourds qu'on va avoir soit avec des nuances claires comme ici la teinte Viridis chez Graham & Brown ou alors beaucoup plus foncé pour une ambiance plus feutrée comme la teinte Ironside chez Dutch Boy que vous pouvez voir ici. Les couleurs terreuses sont encore et toujours tendance et donc on va retrouver des marrons chauds, des chocolats, du terracotta, de l'ocre. Si vous êtes adepte des couleurs neutre. Encore une fois, elles seront très représentées, très recherchées aussi, notamment avec le beige, les crus, le blanc cassé, mais qui aura une petite pointe de jaune et des teintes plutôt argile, comme par exemple la teinte Oxford Stone qui est tendance chez Farrow & Ball. Dans les couleurs lumineuses, on va retrouver aussi le jaune, mais dans une version vraiment très très pâle avec des sous-tons dorés. Et pour terminer avec les couleurs, on va retrouver le gris foncé, presque noir même, nommé Cricut Pepper chez Behr. C'est une couleur qui surprend mais qui, bien pensée, peut apporter vraiment du cachet à votre intérieur. On continue avec les matériaux et ce n'est plus une surprise mais les matières brutes et naturelles sont encore sur le devant de la scène. Ce sont des matériaux très tendance qu'on retrouve. On est toujours dans cette démarche éco-responsable et durabilité et donc on va retrouver notamment du bois, donc le bois massif plutôt, et foncé avec par exemple du manguier, du noyer ou de l'EVA. La pierre aussi avec des reliefs ou de la pierre bouchardée. Beaucoup de marbre et on aura une préférence pour le marbre Kalakata qu'on pourra adopter par exemple au niveau d'une crédence dans une cuisine, pour un plan de travail ou pour du mobilier. On verra aussi encore un petit peu le travertin même s'il se fait quand même plus discret qu'en 2023 je trouve. Et enfin pour terminer avec les matières naturelles, on retrouvera évidemment tout ce qui est rotin, raffia, bambou, etc. Dans un tout autre registre, mais vous n'êtes pas passé à côté non plus je pense, c'est le chrome qui est une des matières phares de l'année. On va pouvoir le retrouver sur des petits objets déco, sur le pied de nos lampes ou en total look, ou pour les finitions de nos meubles, par exemple des chaises ou des tables. Alors je vous conseille pour cette matière là vraiment de miser sur des petites touches plutôt pour éviter le côté froid qu'il peut apporter. Le plastique, le plexiglas et le polycarbonate auront aussi leur place en 2024, notamment avec le style vintage. Le métal avec une préférence pour le métal argenté ou l'inox brossé, l'aluminium, mais aussi le métal noir qui redevient complètement tendance. Pour finir avec les matériaux, j'ai noté qu'il y avait un regain d'intérêt pour le liège, le lino et quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis des décennies, je pense, c'est la loupe
dorment. C'est quelque chose qui était très tendance dans les années 30 et jusque dans les années 70 et j'ai l'impression qu'il revient un peu au goût du jour mais avec des lignes beaucoup plus modernes. J'ai pu voir par exemple une table basse comme ça chez NV Gallery et aussi un piédestal chez Firm Living. Je vous en montrerai plus sur Pinterest. On passe maintenant au textile et ça faisait plusieurs années que la laine bouclée était vraiment en tête de classement. Cette année en 2024, on change un petit peu. Elle sera toujours tendance, mais on la verra beaucoup moins. On va plutôt miser sur le cuir et le velours, et surtout le velours côtelé, qu'on pourra retrouver surtout sous forme matelassée, un petit peu boudinée, même presque, sur les fauteuils et sur les canapés. La laine brute sera aussi recherchée, notamment pour tout ce qui est tapis. Le lin et le chanvre qui sont toujours très actuels, notamment au niveau de la décoration textile ou du linge de lit. On va parler maintenant des formes et des motifs, et alors là c'est pas une surprise non plus puisque ça dure depuis des années, mais les formes rondes, courbes et organiques sont encore très très actuelles et sur le devant de la scène. On aime toujours autant le contraste qu'apportent les courbes aux matériaux bruts qu'on utilise dans nos intérieurs. On observe aussi un réel intérêt cette année pour l'effet vague et l'effet boule, donc ce côté un petit peu rétro qu'on retrouve surtout au niveau des pieds des lampes, des bases de nos mobiliers ou sur les contours de nos miroirs. Les rayures et les formes géométriques sont représentées en 2024 avec un réel engouement pour les imprimés régressifs. On verra du petit mobilier et des objets de décoration avec des formes twistées aussi ou en forme de guimauve si vous préférez. Et j'ai pu remarquer aussi qu'on commençait à voir pas mal de formes coussins comme avec les vide-poches, les coupelles, des petits photophores comme je vous mets ici. On poursuit avec les meubles et les objets. Pour cette partie, j'irai pas trop dans le détail puisque je vais vous faire plusieurs articles et plusieurs vidéos avec des sélections aussi. Je rentrerai un peu plus dans le détail, mais au global, on retrouvera des formes courbes, rondes et organiques, des formes abstraites notamment pour la petite décoration et les tableaux, des objets et de la déco avec un effet sculptural, des objets chinés ou qui semblent l'avoir été. La tendance veut qu'en 2024, on aime aussi beaucoup les meubles multifonctionnels, donc une table à manger qui se transforme en table basse, une console qui se transforme en bureau, et bien sûr, pour terminer, la céramique et le grès seront encore ultra tendance, que ce soit pour la décoration, les luminaires ou la vaisselle. On continue avec les effets et les parements, et en ce qui concerne les effets déco ou les techniques utilisées, on va bien sûr retrouver le papier peint panoramique. Encore une fois, il est ultra tendance et il permet de transformer une pièce très facilement. Une autre tendance dont je vous parlais déjà l'année dernière et qui a pris beaucoup d'ampleur fin 2023 et qui prend encore de l'ampleur en 2024, ce sont les murs à effet texturé. Donc on va retrouver beaucoup de murs à effet avec de la chaux, du béton, béton ciré, béton classique, de la colle à carrelage même ou encore le choukoum. L'effet tufté sur les textiles ou la décoration textile et les moulures sur les murs ou sur le mobilier reste encore d'actualité et cela m'amène d'ailleurs à une tendance qui pointe le bout de son nez qu'on avait aussi un petit peu oublié qui est la marqueterie. Donc on commence à en voir un petit peu apparaître dans nos enseignes préférées. Enfin on passe aux luminaires et la lumière tient encore une place très très importante dans notre intérieur et c'est pourquoi on va cumuler les points lumineux chez nous. Les fibres naturelles seront très très présentes encore. On les trouvera surtout en suspension ou en abat-jour sous forme cylindrique, en chapeau ou de dôme. Pour les matières plus nobles de nos luminaires, le mangué qu'on retrouvera en suspension ou pour le pied de nos lampes. La céramique est encore et toujours d'actualité en total look blanc et on va la retrouver en suspension sous forme plutôt classique ou alors sculpturale. Les luminaires en métal noir redeviennent tendance sous toutes ses formes, soit dans des formes assez classiques, assez minimalistes, avec des suspensions en dôme comme ceci, des formes cylindriques, donc très simples, ou alors dans des formes beaucoup plus sculpturales comme ici chez Firm Living. Pour terminer, on retrouvera des lampes avec des petites touches de chrome ou en total look avec même la forme champignon qui reste actuelle
comme ici. Et enfin, on trouvera beaucoup de pieds de lampe ou de pieds de lampadaire avec cet effet boule ou cet effet vague comme la lampe Powers ici de chez NV Gallery. Et enfin, on termine cette longue vidéo avec une dernière catégorie que je n'avais pas faite les précédentes années, mais là j'ai eu envie de la rajouter parce que je trouvais que c'était assez important. Il s'agit du mode de vie slash aménagement. La première chose dont je voulais vous parler dans cette nouvelle catégorie, c'est le mix and match. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté non plus, mais aujourd'hui, on aime vraiment beaucoup tout mixer, tout mélanger, marier des choses, des matières qui n'allaient pas forcément ensemble avant. On va par exemple mélanger du travertin avec du bois, du marbre avec du bois, du marbre avec du métal, du raffia avec du plâtre. On est dans un mix de matières comme ça, de mélange d'influences qui font que quelque chose est plus unique, plus chaleureux. La deuxième chose très importante qui prend de plus en plus d'ampleur aussi, c'est la domotique. On est de plus en plus dans ce système-là de maisons connectées. On aime tout gérer avec son téléphone, chauffage, lumière, les volets. La domotique, c'est très important, prend beaucoup, beaucoup de place et en prendra de plus en plus dans le futur. Ensuite, c'est la seconde main, l'artisanat, le DIY, le recyclage. On aime, ça se voit depuis plusieurs années maintenant, mais on aime toujours autant recycler les choses, récupérer, les transformer, faire des choses de nos mains. On est toujours dans cette démarche où on est un petit peu plus responsable qu'il y a quelques années, où on consommait sans cesse. Aujourd'hui, on revient à des choses un petit peu plus simples et on va faire avec ce qu'on a. Quelque chose qu'on voit aussi beaucoup et qui devient presque viral même sur les réseaux sociaux et sur Pinterest, c'est le Coffee Corner. On a envie en 2024 de se créer un coin café, un coin barista dans sa cuisine ou dans son salon. Et ça m'a fait sourire parce que moi cet automne j'ai eu envie de faire ça chez moi aussi. Et d'ailleurs ça fera l'objet d'une vidéo sur la chaîne. On transformera un petit peu un coin de ma cuisine ensemble. Donc j'espère que ça vous plaira, mais ça m'a vraiment fait sourire parce que c'est quelque chose qui est tendance en 2024 et que j'ai vraiment eu envie de faire depuis cet automne avec tous mes sirops, ma cannelle, etc. et mes cappuccinos d'automne. Cette vidéo sur les tendances 2024 est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais que c'est une vidéo qui est plus longue que ce que je fais d'habitude, mais je peux pas passer trop vite sur les choses et en même temps je peux pas trop m'attarder. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez savoir quelque chose, des demandes spécifiques sur un style, sur comment intégrer tel ou tel objet ou couleur chez vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je verrai ce que je peux faire dans une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos déco et do it yourself. D'ailleurs, on se retrouve très très vite pour une vidéo DIY. Ça fait longtemps que je vous en ai pas proposé et j'espère vraiment que ça va vous plaire. J'ai vraiment hâte. En attendant, je vous fais plein d'énormes bisous. À très vite. Ciao. Thank you.